Étranglement de face. En même temps, je me souvenais pas de... Étranglement de face. Là, c'est trop tard. Il faut que je fasse autre chose que ce que je vais vous présenter. Là, il faut que, tout de suite, comme on a vu, on avait déjà vu ça sur un cours d'étranglement, je viens au niveau du visage, je repousse. D'accord ? J'ai mes bras qui ont du mal à rester dans un espace inférieur à ma ligne d'épaule, à l'espacement de mes épaules. Donc, s'il est en étranglement... Là, quand je vais pousser vers lui, il va nécessairement desserrer, au moins desserrer. Bon, ça c'est ce qu'on avait déjà vu sur un précédent cours. Là, moi ce que je veux travailler, c'est ce qu'on appelle du sen-no-sen, attaque dans l'attaque. Donc, il avance sûrement en étranglement. Hop, je viens tout de suite contrôler ses mains. Il continue à avancer sur moi. J'en profite. Très haut. Je viens en contrôle et je vais faire. C'est quoi la technique, ça là? Sauter de comme de chute. Sauter, c'est avec le coude. Sauter, ça va être là. Oui. D'accord. Et là, je suis effectivement sur la main. Ouais, on peut dire que c'est comme une chute. Donc là, il est menaçant. Je recule pour éviter, pour qu'il continue son mouvement vers l'avant et éviter de me faire étrangler. Et tout de suite, je viens contrôler au niveau des poignets, d'accord ? Comme des supports. D'accord ? Il continue normalement son mouvement vers moi. Je lève son bras vers l'avant. Je fléchis sur les genoux. Et là, j'ai la technique. Je vais le laisser chuter. Le pauvre. Tout en grâce et en volupté. C'est ça. Comment ça t'as mal au dos? Là, à ce niveau-là, je contrôle son bras. Je l'ai fait chuter. Je l'emmène sur le ventre. Bras dans le dos. Je pose ma main sur sa main, mon genou sur sa main. Là, je contrôle. Atteignez. Il me reprend. Tu peux ne pas filmer. Donc, il avance. Il recule. Il est là. Bon. Alors que l'objectif c'est. Oh. Merci. Ah, il en veut, hein. C'est ça. Je tranquille tout doucement. Il avance, je saisis. Hop, je contrôle. Oh. Je continue le mouvement vers l'avant. Je place la main dans le dos. Je contrôle. Et je frappe. Note artistique 10. Non, non, c'est pas fini. Ah ouais. Donc là, tu reviens. Non, doucement, doucement, doucement. Lentement. Vous utilisez l'énergie de tous ces membres. Tous ces membres. Non, tous les membres présents. Un étranglement. Ah, c'était joli là, le petit. Oui. Donc là, avant qu'il m'étrangle, qu'il verrouille, je contrôle, je renvoie les mains vers le ciel. Mais je continue son mouvement. Donc je recule. Les mains bien vers le haut, hanche contre hanche. Je bascule. Il chute. Là, à ce niveau-là, il faut que j'emmène sur le dos. Pour ça, vous pouvez utiliser votre genou. Ça l'amène sur le ventre. J'ai dit que je voulais le mettre sur le dos, hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il faut que je mette sur le ventre. Donc c'est bien, je le mets sur le ventre. Et là, je ramène son bras dans le dos. Je fléchis. Et je contrôle en mettant tout mon poids. Là, il ne bouge plus sa main, là. Et là, je peux frapper. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, simple.
On reprend juste la chute. Ah, je lève les bras. Je saisis au niveau des poignets. Hein. Je verrouille au niveau des poignets. Je sors la hanche. Hanche contre hanche. Je lève. J'avais fléchi un peu les genoux. Hanche contre hanche, je lève. Et j'envoie. Plus vous irez lentement, plus ça sera et plus il y aura d'appréhension. Si j'envoie, il va faire sa chute en claquant correctement. Là, à ce niveau-là, j'utilise mon coude, mon genou sur son coude. Genou sur le coude. Il s'est retourné. Je contrôle. J'oublie pas la témie au sol. C'est bon ? Okay. Merci beaucoup. Ouais. 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 Vas-y, tap, tap, tap. Boum. La fille, paf. Et paf. Allez. Bien. Oh. Oh.